Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans les vapes. Qu'est-ce que tu fous là? Je te rappelle qu'on a passé la nuit ensemble. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà oublié. T'as bien dormi? Bah, après, oui. Et toi? J'avais trop chaud, j'arrivais pas à dormir pratiquement. Ah bon? Ah, désolé. Non, c'est bon. Ok. J'espère que tes parents ont réussi à bien dormir avec les bruits. J'espère. Bon, je vais y aller, sinon mes parents vont m'engueuler. Bon, allez. Bonne journée. On se rappelle? Ouais, on s'appelle. Je t'aime. Moi aussi. Dis donc, toi. C'est toi qui as fait tout ce boucan cette nuit? Non, pas du tout. Pourquoi tu me demandes ça? Ouais, c'est ça. Alors, c'était quel garçon qui vient de partir? Oh, c'est quelqu'un. Désolée. Désolée. C'est pas là. Tu as réfléchi pour ce que tu allais faire pour l'affaire de Zoé? Non, j'ai pas réfléchi du tout. Tu pourrais m'aider? Ce que je propose, c'est qu'on aille voir les suspects. Je sais que c'est une assez mauvaise idée pour Brooke, mais voilà. C'est la meilleure idée que j'ai. C'est pas mal. On va d'abord commencer par Brooke et après par Sage. Parce que si on commence par le... Si on finit par le pire... Mieux vaut le meilleur pour la fin. Ok. Bon, prépare-toi. Comme ça, après, on pourra partir tout de suite. J'ai pas envie de perdre de temps. Et puis, en même temps, on prendra Shana à l'hôpital. Ok, c'est parti pour le gars... Pour la garde. Bon, ce gilet, ça ira. C'est bon, maman, je suis prête. On peut y aller. Ok. Bah, go to the voiture. Pour Brooke, c'est sûr, c'est ici. Bonjour mesdemoiselles, est-ce que je peux vous aider? Nous aimerions rendre visite à Brooke Ayers. Elle est là? Oui, bien sûr. Nous pourrions rentrer? Je vais lui demander la permission. D'accord. Madame Ayers, quelqu'un demande à vous voir. Faites-les entrer. Entrer. Eh bien, ça m'étonne de Brooke. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? On vous a donné la permission d'entrer? Lena, laisse-nous. Viens, maman. Quelle surprise. Jenna, je n'aurais jamais pensé que tu reviennes ici. Pourquoi? Je te demande, s'il te plaît, de me dire pourquoi as-tu ordonné de tuer la meilleure amie de ma soeur, de ma fille? Tu veux parler de Zoé Dawson? Elle fait partie d'une famille de moins que rien.
Si elle est morte, ce n'est pas de ma faute. D'accord. Mais c'est certainement toi. Tu détestes les Dawson. Alors c'est sûr que c'est toi. C'est évident. C'est plus qu'évident. C'est sûr. Tu me menaces, Jenna. Sache que je me rappelle toujours de la baffe que tu m'as donnée. Ne t'inquiète pas. Je te rembourserai la note. Je n'ai pas envie de reparler de ça, Brooke. Alors, ceci est ta fille. Et qu'est-ce qu'est ta fille? Un monstre qui tue les amis de ma fille? Pourquoi? Désolée, ça ne te regarde pas. Et puis de toute façon, nous ne sommes pas ma famille. Nous ne sommes pas des crasseux comme vous. Qu'est-ce que tu as dit là? Garde! Faites-les sortir, je ne veux plus les voir. Quel culot tu as! J'ai le culot, au moins, de dire la vérité. Fous-toi! Madame, je vais vous reconduire à l'entrée. Au revoir, Jenna. Tu es pitoyable. Mademoiselle, madame, vous allez sortir. Non, je veux pas! Vous aussi. Allez, on s'en va. Allez. Allez, Léna, viens ici. Quoi? Es-tu responsable de la mort de Zoé Dawson? Oui, j'ai commandé à un ami de sortir avec elle, puis de la piéger pour la tuer. Merveilleux. Tu es vraiment comme moi. Tu es parfaite, ma fille. Continue comme ça. Il faut pourrir la vie de cette femme. Elle ne mérite même plus de vivre. Je vais enfin avoir ma revanche. Je suis avec vous, mère. Alors si vous voulez me donner des missions, je les ferai avec grand plaisir. Bien. Mais je pense que pour le reste, je vais m'en occuper personnellement. Merci, ma jolie fille. Tu tiens vraiment ta mère. Tu es parfaite. Parfaitement parfaite. Il revenait plus. Non mais sérieux. Quel culot. C'est une honte de foutre les gens comme ça dehors. Ah, je te le fais pas dire. Elle se croit la plus intelligente, la plus belle, n'importe quoi. Bon, tu viens, on va aller voir Sage. C'est qui Sage? C'est l'ex-petite amie de Savannah. C'est peut-être lui qui avait le coup. Bon allez, viens. Ok. Mais purée, ce GPS déconne. Attends, je mets Sage Bond, ça marche pas. Oh merde. Enfin, ça met le numéro de nos voisins, c'est pas possible. Tu savais que hier, les voisins ont déménagé? Ah bon? Ah bah, on rentre à la maison alors. On passe d'abord chercher Jenna, non? Ouais. C'est parti. Coucou ma chérie, tu m'as trop manqué. Toi aussi maman. Ma chérie, je t'adore. Dis donc, tu peux me dire pourquoi t'es à l'extérieur de l'hôpital? Et tu peux me dire pourquoi tu es venue sans Kayla alors qu'elle devait venir me chercher? Excuse-moi, elle attend dans la voiture. Viens, on va y aller. Il y a besoin de quelque chose? Non, c'est bon. Mais il faudra faire très attention à mes blessures. Ok, t'inquiète pas. Allez, viens ma chérie. J'arrive maman. C'est parti. Et voilà, on est arrivé. Donc normalement, Sage devrait habiter ici. Shanna, toi tu vas dans la maison. Moi et Kayla, on va aller voir Sage. Et viens Kayla. Ok, j'arrive. Bisous Shanna. Tu viens? J'arrive. Bonjour, c'est des vendeurs de tapis. Waouh, j'ai jamais vu d'aussi belles vendeuses de tapis. Jenna, ma pote, ça va? Ça va, la famille, les enfants, tout va bien? Ouais. C'est qui se cache derrière ton dos? C'est qui ça? Oh my god,
C'est qui derrière toi? C'est ma fille. Je te présente Kayla. Bonjour. Bonjour. Vous voulez rentrer? Ouais, pourquoi pas. Pour boire un petit café, c'est possible? Bien sûr, mais... Quelle question! Pourquoi t'as un bonnet alors qu'on est en été? C'est mon cousin. Il vend des bonnets et puis... Il m'en a envoyé pour que j'essaie. Voilà, t'as rentré. Bien, bah installez-vous. Je vous en prie, je reviens. Je vais poser tout ça dans ma chambre. Toujours aussi gentleman. Tu le connais? Oui, c'est un ancien élève du lycée, là où j'étais. Ah, cool. Je suis revenue. Attendez. Donc, vous voulez quelque chose à manger, à boire? Non, merci, c'est sympathique, mais non. Tiens, je viens d'avoir une super idée et ça vous dirait de qu'on mange ici ce soir? Comment ça? Bah, je vous invite à dîner ici, chez moi. Bah, tu peux venir avec Jack, je pense que tu as fait cette jolie merveille avec Jack, non? Ouais. Et tu en as d'autres? Ah oui, oh. Cette chaise tombe un peu trop. Attends, je vais la remettre correctement. Attends. Donc, tu as quoi comme autre enfant? Une autre fille. Ah, et elles sont fausses jumelles. Ah, d'accord. Avec Kayla? Oui. Said. Oh, oui. Tu veux qu'on aille tout de suite chercher Jake et Shanna? Jake et Shanna. Bah non, ce soir. Là, il est que midi. Bah ok, bah on va parler de vous alors, je vous écoute et tout. Bah ok. Kayla a perdu sa copine et c'est vraiment horrible. Oh oui, je suis vraiment désolée pour toi, Kayla. Sage, c'est où la toilette? C'est là-bas. Ok, je reviens. Alors comme ça, tu es la fille de Jenna et de Jake? Oui. Oui. Tu es magnifique, tu sais ça. Merci. Vous n'êtes pas un peu vieux pour me séduire? Oh, je suis pas vieux, t'inquiète pas. J'ai que 17 ans de plus que toi. Et puis l'amour donne des ailes, n'est-ce pas? Oui. C'est vrai, mais... Peut-être pas tout le temps. Ah d'accord, je vois. Je vois le genre de fille que tu es. Tu veux quelque chose? Une citronnade, ça serait possible, bien sûr. Je vais t'en chercher une. Pardon. Non, c'est bon. Vous êtes très bon. Je ne vous vois pas. Tutoie-moi tout de suite. Ok. Je m'appelle Sage. Bond. Et je suis un grand célibataire. Et un romantique. Bon, je vais chercher cette limonade. Ok. Bah Kayla, t'es toute rouge. Oh, c'est rien, maman. Ok, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. T'es sûr? Essaye de me draguer. T'inquiète pas, c'est dans ses cordes vocales, il est très sympa. Maman, si jamais je tombais amoureux de... C'est quelqu'un qui a le double de mon âge. Tu veux dire Sage? Oui. Je vais t'avouer, il est irrésistible. Irrésistible. C'est le BG du BG du BG. Je peux dire au lycée, toutes les filles étaient sur lui. Elles voulaient toutes sortir avec lui. Alors, s'il te drague, tente ta chance. Mais je sais pas si son père sera d'accord. Tu promets de pas lui dire si je sors avec lui? Mais je croyais que tu sortais avec James. Ah oui, t'as raison. Est-ce que je suis bête? Faut que je me calme. Ça devient grave. Ouais. Mesdemoiselles, voici
Mademoiselle. Oh, Jenna, tu veux quelque chose? Non, merci, ça ira. Je vais y aller, moi. Je vais te laisser avec Kayla. Je dois rentrer. Jake vient de m'envoyer un message comme quoi il faut que je rentre. Bon, allez, à plus. Au pire, on est voisins, donc comme on est juste à côté, si t'as un problème, tu viens nous voir. Allez, à plus. Ok. Bah, je vais me rapprocher si ça vous embête pas, ce serait plus sympa qu'on soit à côté pour se parler. Ah oui, bien sûr. Je comprends. Oula. Tiens. Enfin, tiens. On peut se tutoyer maintenant. Kayla. Ouais. Cool. T'es très belle. Merci. Alors, comme ça, t'étais dans le lycée à ma mère et à mon père. Ouais. Ah, de braves gens. En tout cas, tu as bien hérité de la beauté de ton père et ta mère. Ah, merci, c'est trop gentil, mais... Tu as quel âge? 17 ans. Bien, c'est plutôt pas mal, non? Quoi? Non, rien. Je dis un peu des conneries. Ah, ok. Bon, si on buvait ce café et ce coca. À la tienne, à la tienne. Oups. J'ai pas vu qu'il y avait une paille. T'es une régalade, toi. Pas vraiment. Yes. Dis, Sage, c'était drôlement bon. Merci, c'était trop gentil. De rien. Juste une question. Je peux visiter ta maison? Tu veux que je te fasse visiter? Ouais, pourquoi pas. Ok. Je range ça et après j'arrive. Il est trop beau. Et trop mignon. Oh putain de merde. Bouh. Tu m'as fait peur. Excuse-moi. Bon, vas-y, viens. Par contre, je te précise, je suis en plein déménagement, donc c'est pas trop dangereux. Ok. Oh, c'est vide pour l'instant. Oui, tiens, j'ai juste déballé mon lit. Viens voir, il faut que je te fasse voir un truc magnifique. J'arrive. C'est juste magnifique. Je sais. C'est je peux pas. Désolée. Pourquoi? Pourquoi tu peux pas? J'ai un petit copain. Et ça serait lui gâcher la vie. En plus, j'ai demandé à deux personnes de le casser pour que je sorte avec. Alors, je vais pas casser, briser ma chance. Désolée. Dommage. C'est très beau chez toi, je reviendrai. T'inquiète pas. À soir pour le dîner. Ouais. Je sais que tu m'aimes, Kayla. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Malgré que tu l'aimes. C'est trop dur. Je l'aime. Mais j'ai déjà un petit copain.
Faut que je rentre. Kayla, ça va pas? Kayla, qu'est-ce qui se passe, mon ange? Je sais pas comment t'expliquer ça. De quoi? Maman, je crois que je vais faire une bêtise. Comment ça, tu vas faire une bêtise? Il faut pas que je te le dise, parce que sinon tu vas t'inquiéter pour rien. Je t'aime, maman. Je monte dans ma chambre. Je suis sûre que c'est par rapport à Sage. Oh. Durant toute la suite de la journée, je faisais des allers-retours dans ma chambre. J'attendais le moment où je pourrais me préparer pour aller chez Sage. Cet homme, qui avait pourtant le double de mon âge, m'intéressait bien plus que James. Que se passe-t-il? Je ne pouvais pas sortir avec un homme de 17 ans de plus que moi. Mais comment faire? Je l'aimais beaucoup plus que mon petit copain. Que faire? Je n'en sais rien. Je ne voulais pas le dire à quelqu'un de ma famille, car j'avais peur qu'il le prenne mal. Alors je n'ai rien dit, et pendant une journée, je me suis ennuyée. Je me suis alors endormie. Et oui, je me suis endormie en pensant à Sage. La seule image que j'avais dans la tête, c'était son sourire éblouissant et son petit regard charmeur. Oh là là, cet homme me fait rêver. Je vais être en retard. Mais il faut que je me lève. Je vais être en retard. Il faut que je me prépare. Cette fois-ci, on va mettre le paquet. Oh merde. When I leave old vision, one solution is my queen. She's missing. Yeah, I know. He's always in my color bright. Allô, James? Ah, c'est toi. Ah, tu m'as fait vraiment trop peur. Ouais, ça va et toi? Je suis désolée, maman. Désolée. Non, je suis vraiment désolée. Oui, je sais qu'on s'avait dit de s'appeler et tout, mais j'étais à la rencontre de mon nouveau voisin. Ouais. Puis je m'occupais aussi de l'affaire de Zoé. Mais non, mais je t'aime toujours, qu'est-ce que tu crois? Mais non. Bon. Il faut que je me prépare parce que ce soir je suis invitée chez le voisin. Et du coup, voilà, donc il faut que je me prépare, donc je peux pas trop te parler. Tu pourras peut-être me rappeler dans... Tu pourras peut-être me rappeler dans la soirée, s'il te plaît. Désolée, mon ange, je sais qu'aujourd'hui on est dimanche et qu'on aurait pu bien parler et tout, mais désolée. C'est pas grave. Ok, je vais te laisser mon amour, voilà. Ouais, à plus, allez, gros bisous, je t'aime. Oh la poisse. Bon, il faut que je le mette sur mon bureau parce que sinon je perds. Voilà, au moins là je ne perds pas. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, ça va être du spécial. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non. Je
c'était pas... Et si j'allais dans la salle de bain pour me maquiller correctement? Allez, c'est parti! Mais je vais prendre ma tenue avant quand même. Ah, mais voilà, c'est ça que je cherchais. Parfait. Alors ça, je le pose là. Et c'est parti pour le maquillage. Crotte de bique. Ah voilà. Allez, allez, allez. Ah là là, c'est quand la première, c'est quand la dernière fois que j'ai utilisé. Oh, il y a trop longtemps. C'est parti. Yeah. Sexy ou pureté? Sexy ou pureté? C'est trop dur. Bon, je mets les deux, je m'en fous. Oh, oh, j'ai peur. Bon, je mets les deux. Ah. Ok, le maquillage c'est ok. Maintenant je mets ma tenue. Ok, c'est ok. Le foulard je l'enlèverai si j'ai trop chaud. Ouh, c'est parti. Et maintenant, un peu de musique pour s'ambiancer. Ça marche pas? Oh non, il n'y a pas de connexion radio, c'est pas sympa. C'est nul. Oh, crotte de bique. C'est nul. Ah, il fait que l'option radio réveille, c'est con. Qu'est-ce que je m'ennuie. J'aurais dû lui donner son numéro de portable. Oh, c'est quoi cette chic. Bon, il est quelle heure là? Ok. D'attendre. Allez, allez, allez. Kayla! Je vais me faire engueuler. Je le sens. Kayla, c'est quoi ce bordel? On dirait qu'un diable de Tasmanie vient de passer. Oups, pardon maman. Tu vas me ranger ça, tout de suite. Je suis sûre que dans ta chambre... C'est pareil. Désolée maman, juste le dressing en fait. Quelle folle celle-là. Bon, je vais ranger dans ta chambre. Mais pourquoi est-ce qu'elle est tant excitée à aller chez le voisin, sérieux? C'est un voisin. Oh là là, ça rentre pratiquement plus dans le dressing, ces machins. Voilà. T'as fini? Oui, j'ai fini. Désolée maman. Dépêche-toi, il reste plus que 2 minutes. Mais quelle mouche l'a piqué? Oh le stress, je vais appeler Stacy là parce que là j'en peux plus. Allez. Alors. J'aimerais bien savoir son point de vue. Allô Stacy? Allô? Ça va Kayla? Ouais ça va bien et toi? Ouais trop cool. Tu fais quoi? Bah, je me prépare en fait, c'est pour aller voir mon voisin. Ton voisin? Ah bon? Et pourquoi ça te stresse trop? Bah, en fait, je... Il est trop beau, juste magnifique, mais en fait, il a 30 ans, quoi. Enfin, il a 32 ans. Hein? Ah, d'accord. Et alors, tu l'aimes? Bah, ouais. Tu veux que je t'envoie une photo? J'en ai trouvé une sur internet, sérieux. Le mec, c'est... Il était un acteur, sérieusement. Ah bon? Il a l'âge de tes parents, non? Ouais, il a l'âge de mes parents. Et apparemment, il était dans le même lycée qu'eux. Oh, la chance! Tu pourrais m'envoyer une photo tout de suite? Bah ouais, attends, je t'envoie une photo et puis après, je te rappelle. Ok. À tout de suite. À tout de suite. Faut que je me dépêche. Dans 2 minutes, je suis chez lui. Ok. Bon, bah dépêche-toi de m'envoyer la photo. Ok. Bise. Bise. Alors, envoyer photo. Oh, crotte. C'est quoi ce truc, sérieux? Pourquoi ça s'enlève? Ok. Rappelez.
Allô, ma choupette? Allô, ma chérie? Ça va? Oui. Alors, tu me l'as envoyée? Ah oui, elle est là. Ok, bah tu peux la lire? Bah oui, moi aussi j'ai l'iPhone 6, tu crois quoi? Lol. Bah ouais, lol. Qu'est-ce que tu crois? Je suis à la nouveauté, je suis à la mode moi aussi. C'est vrai, je sais pas pourquoi, mais les nouveautés sont souvent à la mode. Bah c'est un peu comme ça, mais bon, la mode c'est ça, mais voilà. Ouais! T'es en train de faire quoi? Je poussais mon tapis en fait. Ah d'accord. Ah d'accord. Ça va? Ouais. T'es stressée? T'es stressée? Ouais, je suis stressée. Comme une puce! Et t'as pensé à James? Bah justement, je sais pas quoi faire. C'est pour ça que je t'appelais, pour te demander ton avis. Ah bah moi, je sais pas, hein. Donc c'est toi qui vois, hein. Ah ouais, il est trop beau gosse, là. Oh purée. Ah mais t'es une chanceuse, ma fille. Je sais, tu viendras chez moi pour le voir. Ok, ben moi je vais bien le voir en vrai. Ok, par contre j'ai peur de faire une grosse bêtise. Dis-moi. En fait, étant donné que je l'aime et qu'il m'aime aussi, parce que il m'a embrassé à plusieurs reprises, j'ai peur que je sois tombée amoureuse de lui et que je veuille sortir avec lui et que James, je le largue et tout. Pour ce gars qui a quand même le double de mon âge. Ah ouais, c'est chelou quoi. Bah ouais, c'est très chelou, mais tu sais, il est très beau. Bah ouais, le mec c'est un mannequin, sérieux. J'ai trouvé des trucs sur lui sur internet. Apparemment il a joué dans une série très connue. Ah bon? Ouais. Mais sinon c'est trop cool. Il est trop beau. Ouais. Bon bah tu vas pas être en retard toi? Oh bah merde. Il est déjà 20h hein, si c'est alors que tu devais y aller. Oh merde. Merde. Je vais y aller. Bah à plus, je te rappelle dans la soirée pour te dire comment ça se passe. Ok. Bah à plus. À plus mon ange. À plus mon ange. Un message de James. Tu veux qu'on casse? Quoi? Mais il est sérieux, mais pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Je lui ai rien fait. Kayla, on va y aller! J'arrive, maman! Oh putain de merde. Il est sérieux. Je lui dis quoi, moi? Je suis au courant pour ton voisin. Il est trop beau, lol. Tu viens de parler avec Stacy au téléphone. Putain, il m'espionne, le salaud. Il est où? Putain, je suis sûre qu'il est par la fenêtre, ce salaud. Oh, l'enculé. Et là, tu me traites. T'es pas sympa, on va vraiment se casser. Oh, merde. Arrête de faire ça, parce que moi, je t'aime. Et cet homme est de toute façon beaucoup trop vieux pour moi. Bon, je te laisse, à plus, je t'aime. Je te crois pas, mais il est con, lui. Oh, il m'énerve. Bon, moi j'y vais parce que sinon je vais être en retard. Bon, allez, c'est parti, hein, parce que... Ouais, c'est sûr, c'est trop cool. Bon, il fait un peu noir dans la chambre. Je vais allumer la lumière, attends. Et voilà. C'est mieux, non? Ouais, c'est beaucoup mieux. Kayla, s'il te plaît, tu peux me regarder un peu, s'il te plaît. Pourquoi? S'il te plaît, juste un instant. Oh, je t'aime, Kayla.